Bonsoir, merci à Daniel et à Philippe de m'avoir invité pour donner cette conférence dans le cadre de ce cycle « Le ciel entre science et religion ». Et je vais m'intéresser ce soir, plus particulièrement, au cosmos de l'islam. C'est un thème très vaste que j'aborderai essentiellement selon trois axes. J'essaierai de vous expliquer comment la problématique théologique de la cosmologie se pose dans le monde musulman à partir des textes sacrés, fondateurs de l'islam, du Coran. Ensuite, je tenterai de donner quelques exemples de la façon dont ces textes ont été compris au cours de l'histoire de la pensée musulmane, essentiellement pendant ce qu'on appelle la grande période de la pensée musulmane, ou le Golden Age, l'âge d'or de la pensée musulmane, sous le califat abbasside, et puis maintenant on se rend compte que cette réflexion a duré aussi pendant la montée en puissance des Ottomans, donc sur une période qui va du 9e siècle de l'ère chrétienne, fin du 8e siècle, 9e siècle de l'ère chrétienne, jusqu'au 16e siècle. Et puis, pour finir, j'essaierai de vous faire part de quelques préoccupations par rapport à la situation de cette réflexion dans le monde musulman contemporain, en particulier parce que ce monde musulman contemporain est travaillé par toutes sortes de forces, d'idéologies qui nuisent, me semble-t-il, malheureusement, à une réflexion sereine sur les rapports entre science et religion. Quand on parle de l'islam, de la pensée musulmane, il faut commencer toujours par le commencement, et le commencement, pour les musulmans, c'est la révélation du Coran, qui est le miracle fondateur de l'islam. De même que le christianisme repose sur un événement singulier, l'incarnation, Jésus le Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu fait homme et parfaitement Dieu, ça c'est le dogme de l'Église catholique. De même pour les musulmans, l'islam repose sur un événement miraculeux qui est la révélation de la parole de Dieu, faite livre, un livre dans une langue humaine, l'arabe de la péninsule arabique de l'ère, du 7e siècle de l'ère chrétienne. Et cette langue donc devient une langue divine qui est audible, prononçable, intelligible par l'être humain. Et la preuve de cette origine divine est ce qu'on appelle la beauté du texte, l'insupérabilité linguistique du texte, le fait que cette langue ne peut être dépassée par aucun poète parce qu'elle est d'une beauté fulgurante. Et ce texte coranique, donc révélé pendant une vingtaine d'années au prophète Mohammed, le prophète de l'islam, entre 612 et 632, date de la mort du prophète, ce livre parle de beaucoup de choses, il mélange les différents genres littéraires, là où la Bible juxtapose les genres littéraires, l'histoire sainte, la poésie, les dispositions juridiques, etc. Dans le Coran, tout est de façon très mystérieuse mélangé, ce qui ressort de la lecture du Coran en particulier, c'est une description du monde ou des mondes, parce que le Coran décrit également les mondes paradisiaques, les mondes infernaux, mais il décrit aussi et surtout notre monde, les phénomènes naturels, avec beaucoup de précision, les phénomènes qui étaient observés dans le désert à cette époque, les montagnes, le désert, les nuages, la végétation qui meurt et qui renaît, les animaux qu'on rencontre à cet endroit, le ciel, évidemment, très beau dans le désert, comme vous pouvez l'imaginer, le soleil, la lune, les étoiles. Et le Coran donc décrit ces mondes et appelle au savoir. Il appelle à faire preuve d'intelligence pour lire le monde et y voir les signes du Créateur, les signes de Dieu. Et cette démarche d'investigation du monde se mène à travers ce que le Coran appelle la réflexion ou la méditation. Donc je mets quelques-uns des mots arabes qui sont utilisés dans le texte. Alors c'est une translittération de l'arabe avec un code qui est utilisé par les islamologues. Et donc en regardant le monde, on doit être capable d'y lire les signes de Dieu. Très rapidement, dans l'histoire de l'islam, dans la pensée musulmane, est apparue la doctrine des deux livres. Doctrine des deux livres qui existe aussi d'ailleurs dans la pensée juive et dans la pensée chrétienne. Les deux livres sont le livre de l'existence et le livre de la révélation. Les deux livres sont créés par la parole de Dieu, puisque pour les monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans, le monde a comme origine la parole de Dieu, un ordre divin. Dieu dit à une chose « soit »,« kun », c'est dans le texte du Coran, et la chose « est ».
De même, le texte coranique est révélé au prophète sous la forme d'un ordre. L'ange Gabriel se présente au prophète et déploie devant lui un rouleau, c'est ce que raconte la tradition. L'ange dit au prophète « lis » et le prophète lit. Et le livre du monde, comme le livre de la Révélation, montre les versets ou les signes, c'est le même mot en arabe, « ayat », qui permettent de remonter de la lecture du monde ou du livre à la connaissance de Dieu. Donc il y a un certain parallélisme qui est intéressant parce qu'il va s'agir de lire le livre du monde comme on lit le livre de la Révélation et de se promener dans la Révélation comme on se promène dans le monde. Quand on lit le texte du Coran, on voit que, à travers les différents passages où ces thèmes apparaissent, Dieu y est décrit comme le Créateur. Le Créateur, au même titre que sa description dans la Genèse, hein, même s'il n'y a pas, en raison du caractère propre du Coran, un chapitre qui est consacré particulièrement au début du monde ou à la création. Hein, dans la Genèse, évidemment, les premiers versets de la Genèse concernent la création. Ici, le texte est éclaté dans l'ensemble du Coran et il faut aller lire à droite et à gauche pour reconstituer le scénario. Mais essentiellement, le Coran se présente comme un rappel de vérités antérieures qui ont été révélées aux chrétiens et aux juifs auparavant. Et on trouve le récit de la création du monde en 6 jours, puis le monde est dominé par l'installation du trône. Dieu n'a pas besoin de se reposer dans l'islam parce qu'il n'est pas fatigué par la création des 6 jours. Dieu crée le monde à partir de rien, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la théologie juive et chrétienne, même s'il y a une hésitation parce que certains versets sont un peu ambigus à ce propos. Par exemple, Dieu se tourna vers le ciel alors que celui-ci était une fumée. Est-ce que cela veut dire qu'avant le ciel et la terre, il existait déjà quelque chose? En fait, les théologiens, les penseurs musulmans, ont insisté sur ce verset, le verset de la sourate 52, verset 35, où il y a une question qui est posée, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils leurs propres créateurs, hein? Donc, ils ont pensé que la création à partir de rien était plus digne de Dieu. Donc, l'islam, la théologie musulmane orthodoxe, professe la création du monde à partir de rien, à l'instar de la théologie juive et de la théologie chrétienne. J'emploie le mot théologie de façon un peu floue, parce qu'il n'y a pas à proprement parler une théologie dans le judaïsme ni dans l'islam qui soit comparable à la théologie chrétienne, mais mettons une pensée religieuse. Dieu a créé le monde dans le temps, c'est-à-dire qu'il y eut une période où Dieu seul était, rien d'autre. Donc on trouve des motifs qui sont très voisins de ce qui se passe dans le judaïsme et dans le christianisme. Il y a cependant une différence, c'est ce que l'islam appelle le renouvellement de la création, tajdid al-khalq en arabe, qui apparaît à plusieurs reprises dans le texte coranique. Le monde n'est pas autosuffisant, Dieu lui donne l'être pour l'amener à l'existence, mais Dieu ne cesse de donner l'être au monde. Si Dieu retirait ce don au monde, le monde tomberait immédiatement dans le néant d'où il est sorti. Donc il y a une intervention constante de Dieu pour maintenir le monde dans l'existence. C'est une intervention de nature métaphysique, hein. C'est le don de l'être, c'est de nature ontologique on dirait, c'est le don de l'être au monde qui maintient le monde dans l'existence. Si Dieu décidait de retirer l'être, le monde ne pourrait pas subsister, il tomberait immédiatement dans le néant. Donc on a cette vision d'une création à partir de rien, d'autre en tout cas que le projet que Dieu avait pour le monde, et cet acte métaphysique du don de l'être au monde, qui est un don constant, hein. Dieu est présent, il est présent à travers cet acte du don, et si le don cessait, le monde retomberait dans le néant. Et un autre aspect qui frappe beaucoup le lecteur dans le texte du Coran, c'est l'insistance sur l'ordre et les régularités qui existent dans le monde. Les régularités du cosmos sont en quelque sorte une coutume ou une habitude, ces deux mots sont employés par la tradition, de Dieu. La stabilité de ces régularités reflète l'immutabilité ou l'immuabilité de Dieu. La tabdil la fesunatillah, lit-on dans le Coran, il n'y a pas de changement dans la coutume de Dieu. Donc Dieu crée le monde, il fait ce qu'il veut dans le monde, mais il choisit, par miséricorde, par amour, de se comporter de façon régulière dans le monde. Les phénomènes, les signes de Dieu sont des signes qui affichent une régularité qui est une volonté du Créateur. Donc c'est évidemment quelque chose de très intéressant dans la perspective d'une exploration du monde, puisqu'on sait que le monde se comporte de façon régulière en raison de la volonté de Dieu, et donc il va nous apprendre quelque chose sur le comportement de Dieu dans le monde, qui est une habitude. Pardon.
Il y a un texte très intéressant qui ne se trouve pas dans le Coran, mais qui se trouve dans ce qu'on appelle le hadith, c'est le recueil de tous les faits et gestes, les dires, les silences du prophète Mohammed, recueillis par ses compagnons pendant plus de 20 ans. Et cet ensemble constitue un témoignage de la vie de la première communauté musulmane. Comme vous le savez, l'islam est né à la Mecque, mais en 622, donc 10 années après le début de la révélation, le prophète, persécuté à la Mecque, dut émigrer à Médine, qui s'appelait à l'époque Yathrib, qui deviendra la ville du prophète, Madinat an-Nabi en arabe, ce qui a donné Médine, une ville qui se trouve dans le nord de la Mecque. La Mecque est un endroit extrêmement désertique, alors que Médine est une palmeraie. Donc il y a ce récit, des fermiers qui faisaient pousser des palmiers dattiers demandèrent au prophète s'il était nécessaire de procéder à la pollinisation de ces palmiers, parce qu'il faut donner du pollen mâle aux palmiers femelles pour que des dattes puissent pousser. Le prophète répondit non. Et donc les fermiers suivirent son conseil. Ils se plaignirent alors des mauvaises récoltes. Le prophète répondit qu'il était seulement un homme comme eux. Il dit « Vous êtes plus savants que moi dans les affaires de votre monde ». C'est un texte très important qui montre qu'il y a un domaine de la connaissance qui est neutre du point de vue religieux. Il n'y a pas d'enseignement religieux à ce propos. Vous êtes plus savant que moi dans les affaires de votre monde. Il y a un domaine dans lequel la religion n'a rien à dire, un domaine qui est neutre par rapport aux enseignements rituels ou éthiques de la révélation. Donc c'est un champ de liberté pour la connaissance religieuse. Ce champ de liberté sera exploré, on va le voir tout à l'heure, par les savants musulmans, mais la réflexion sur l'articulation entre la science et la religion s'est poursuivie quand la pensée musulmane a rencontré la philosophie grecque, surtout la philosophie d'inspiration aristotélicienne et néoplatonicienne. Et cela a provoqué une crise qui a duré plusieurs siècles avec deux grandes figures que je veux citer ici avant de voir comment la pensée musulmane plus scientifique a abordé la question. Donc deux grands philosophes qui sont connus du monde latin, Al-Razali, en latin Al-Ghazal, et Ibn Rushd, en latin Averroès. Ils ont vécu à deux endroits différents, Al-Razali à Bagdad, Ibn Rushd à Cordoue, en Andalousie, et à deux siècles différents, puisqu'il y a à peu près, comme vous le voyez, un siècle qui les sépare. Pour l'un comme pour l'autre, la certitude rationnelle est rendue possible par don divin. Ils sont en cela éminemment cartésiens. Descartes, à son tour, des siècles plus tard, va dire que c'est Dieu qui garantit la validité de la raison humaine. La certitude rationnelle est rendue possible par don divin, et Averroès va même aller plus loin, puisqu'il va affirmer que la certitude rationnelle nous permet d'atteindre toute la vérité dont l'homme est capable. À l'instar des religions, mais pour l'élite qui est capable de mener à bien une démarche rationnelle. Vous savez que l'article de foi de l'islam, c'est l'unicité de Dieu, dont le nom arabe est Allah, mais qui porte de très nombreux noms par ailleurs dans l'islam et ailleurs, et dans les autres religions. Comme Dieu est un, il ne peut pas y avoir de désaccord entre le discours de la révélation et la connaissance du monde. La vérité est une, comme Dieu est un. Al-Razali et Ibn Rushd vont être d'accord sur ce point. Mais ils vont être en désaccord sur la façon de gérer le désaccord apparent entre science et religion. Pour Al-Razali, s'il y a désaccord apparent entre les données de la révélation et les résultats de la démarche rationnelle, comprendre la philosophie d'inspiration grecque, aristotélicienne et néoplatonicienne, eh bien c'est la faute des philosophes qui sont sortis du domaine de validité de la philosophie et qui ont commencé à dire des choses en dehors de le domaine de compétence. S'ils avaient pensé correctement, ils n'auraient pas été amenés à dire des choses qui sont manifestement contraires à la vérité religieuse. Averroès, Ibn Rushd, de son côté, va avoir une position à l'opposé. Pour lui, s'il y a désaccord apparent entre les résultats de la philosophie et les données du révélé, ce sont les interprètes du Coran, des textes sacrés en général, qui ont mal compris ce que Dieu veut dire dans le texte sacré. Il s'agit donc pour eux de revenir à l'interprétation du texte pour comprendre le texte dans un sens qui soit compatible avec les données de la philosophie. C'est une position qui est extraordinairement moderne et qui a été énoncée par Averroès dans un petit livre qui s'appelle « Le traité décisif » traduit en français
édité dans une collection de livres de poche. Et ce texte, malheureusement, n'a pas été connu de l'Occident latin au Moyen Âge, sans quoi peut-être la façon dont la pensée latine a incorporé l'averroïsme aurait été complètement différente. Que faire alors? Eh bien, Al-Razali dit qu'on peut prouver rationnellement l'incohérence de ce qui se pose problème dans les dires des philosophes, c'est-à-dire qu'il ne va pas opposer aux philosophes un argument religieux. Il va dire, nous allons regarder ensemble vos calculs et je vais vous montrer, moi, que vous vous êtes trompé dans vos calculs et que si vous aviez raisonné de façon valable, valide, eh bien vous ne seriez pas arrivé à des résultats contraires aux enseignements religieux. 100 ans après, Averroès va s'attacher à montrer que la démarche d'Al-Razali elle-même est viciée rationnellement, est viciée, c'est-à-dire qu'il n'a pas raisonné de façon juste et que ce qu'il croyait être une correction du travail des philosophes, eh bien, en fait, était entaché d'erreurs et qu'il faut quand même accepter les résultats des philosophes parce que, finalement, ces philosophes ont bien pensé. Donc, il y a ici un débat qui continue d'agiter le monde musulman 1000 ans après. On reviendra là-dessus tout à l'heure, si vous le voulez bien. Alors, juste un point pour voir comment cela s'articule avec la question de la cosmologie. Parmi les énoncés des philosophes d'inspiration grecque, il y a cet énoncé scandaleux selon lequel le monde est éternel. Vous savez que c'était un des éléments de la philosophie d'Aristote dans sa métaphysique. Hein. Le monde est éternel. Et Avicenne, l'auteur de l'une des premières grandes synthèses entre la théologie musulmane et la pensée grecque, surtout néoplatonicienne, va élaborer une doctrine de l'intelligibilité et de l'émanation, hein, à l'image de ce que les néoplatoniciens faisaient. Pour lui, Dieu est le seul être nécessaire par lui-même, hein, percé, bidatifi, percé en latin, bidatifi en arabe. Non. Donc il va faire une différence entre l'essence et l'existence. C'est la première fois que dans la pensée philosophique on fait la différence entre l'essence et l'existence. Hein, Dieu est le seul être dont l'essence implique l'existence. Hein, par essence, Dieu a l'être nécessaire. Mais Dieu est tellement intelligible qu'il ne peut pas ne pas créer le monde, parce que le monde, la création du monde, est le rayonnement de son intelligibilité. Le monde donc devient nécessaire, non pas par lui-même, parce que par lui-même le monde est contingent, mais par Dieu, le monde devient nécessaire puisqu'il est une conséquence, en quelque sorte, de l'existence de Dieu. Donc le monde est éternel, puisque Dieu est créateur de toute éternité, et toutes les caractéristiques du monde sont nécessaires puisqu'elles résultent de l'intelligibilité de Dieu. Donc rien dans le monde n'advient au hasard, tout est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui est en contradiction avec la compréhension que les théologiens de l'époque avaient du texte du Coran, parce qu'ils professaient non seulement que la création avait lieu à partir de rien, mais dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où Dieu seul existait et le monde n'existait pas, mais ils professaient aussi que les caractéristiques du monde, les patterns, les features, les caractéristiques du monde résultaient d'un choix libre de Dieu parmi un ensemble de possibles. Ce que Avicenne, Ibn Sina, niait. Donc Al-Razali va s'employer à montrer que tout n'est pas nécessaire dans le monde. Ça, je résume ce qu'il y a dans ce fameux livre sur l'incohérence des philosophes. Il va s'attacher à montrer que tout n'est pas nécessaire dans le monde. Le monde a des caractéristiques qui ne sont pas nécessaires et qui manifestent donc le choix de Dieu. Par exemple, les axes de rotation des sphères célestes. Pourquoi les sphères célestes tournent-elles selon un axe nord-sud? Voilà, c'est un choix de Dieu d'avoir pointé l'axe de rotation dans cette direction et pas dans une autre direction. Donc, dit Al-Razali, le monde est contingent, il pouvait ne pas être, il l'est parce que Dieu a décidé que le monde devait être et il est créé dans le temps. Et Averroès, 100 ans après, va argumenter pour défendre le point de vue de Ibn Sina sur la nécessité du monde. Pour lui, Dieu crée le monde, mais il crée le monde éternellement parce que la création signifie une dépendance métaphysique de l'être du monde vis-à-vis de l'être de Dieu, qui n'est pas nécessairement une origination temporelle. Donc, différence entre la création et l'origine. Par ailleurs, Al-Razali va être très sceptique vis-à-vis de la théorie de la causalité aristotélicienne. Vous savez qu'Aristote énonce 4 causes pour un effet,
hein, la cause matérielle, la cause finale, la cause efficiente, et la quatrième qui me sort de l'esprit, qui est la cause formelle. Voilà. Donc les quatre causes, quand elles sont là, l'effet advient nécessairement. Donc les philosophes musulmans reprennent cette théorie et Al-Razali va être très critique vis-à-vis de cette conception dans laquelle on peut déduire le réel à partir d'un certain nombre de principes causaux. C'est ce qui se passe dans les ouvrages d'Aristote où à partir d'un certain nombre de principes premiers, l'ensemble de la réalité est déduit. Au contraire, dit Al-Razali, il faut aller voir les phénomènes pour y lire le comportement de Dieu dans la création. On ne peut pas déduire rationnellement comment Dieu va se comporter, il faut aller voir dans les phénomènes la coutume ou l'habitude de Dieu dans le monde, dont on sait qu'elle est régulière puisque c'est un élément important de la vision de l'islam. Alors, vous voyez le contexte philosophique et théologique dans lequel les musulmans vont découvrir la science. La science grecque, à partir du califat abbasside, avec cet événement qu'on appelle les traductions. Et je vous conseille ce livre de Dimitri Goutas, un grand spécialiste de la question, qui s'appelle « Pensée grecque, culture arabe ». Ce livre a été traduit en français, je crois, récemment. Dimitri Goutas dit quelque chose comme, voilà la citation que j'ai écrite ici, « Le mouvement de traduction du grec à l'arabe à Bagdad constitue vraiment une phase essentielle de son époque, à tous égards, dans le cours de l'histoire humaine. Elle est égale en signification à et appartient au même genre que, je dirais-je, l'époque de l'Athènes de Périclès, la Renaissance italienne ou la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles. » Donc Dimitri Goutas est l'un de ceux qui contribuent à réécrire l'histoire de la pensée humaine en intégrant pas simplement une vision européocentrique, mais une connaissance d'autres aires culturelles qui ont contribué à l'élaboration de la pensée humaine avant la Renaissance et la période moderne. Que s'est-il passé? Presque tous les textes grecs non littéraires ont été traduits en arabe pendant la première période du califat abbasside, depuis Al-Mansour, le deuxième calife abbasside et fondateur de Bagdad, en passant par Al-Mahdi, qui était son fils ou son petit-fils, et Al-Ma'mun. Donc là, il y a cinq générations, donc on a trois califes sur cinq générations, il y a deux autres califes intermédiaires, donc dans une période qui a duré moins de 100 ans. Et c'est un événement absolument considérable que Dimitri Goutas étudie avec beaucoup de détails, et on peut se poser la question de l'intérêt soudain pour le texte arabe, pour les textes grecs. Dimitri Goutas montre qu'il y avait de nombreuses raisons pour cet intérêt, des raisons politiques, parce que le calife Al-Mansour, qui était le fils de celui de Asafar qui avait provoqué le changement de dynastie, on était passé de la dynastie des califes Omeyyades à la dynastie des califes Abbasides, avec une lutte civile extrêmement violente, eh bien Al-Mansour a voulu récupérer l'idéologie des Perses sassanides, et donc il a récupéré cette appétence pour les connaissances qui était l'apanage des Persans contre les Arabes. Ensuite, il y a eu la question de la polémique avec les chrétiens. Donc il a fallu récupérer aussi la philosophie, et en particulier l'art de l'argumentation, la dialectique d'Aristote, pour pouvoir polémiquer avec les chrétiens. Enfin, avec le calife Al-Ma'mun, on est là dans un coup d'État encore sanglant, puisqu'Al-Ma'mun arrive au pouvoir après avoir tué son frère, qui était calife, et il doit récupérer le pouvoir sur l'islam, et donc il constitue le texte de l'Almageste, le grand texte fondateur de l'astronomie ptolémaïque de l'Antiquité. Ce texte est émaillé d'erreurs, parce que Ptolémée ne refaisait pas les calculs qu'il empruntait à ses prédécesseurs. Donc il citait des valeurs numériques erronées qui traînaient dans la littérature sans refaire les calculs. Eh bien, les traducteurs arabes vont refaire les calculs et faire des divisions, par exemple, jusqu'à la seconde ou le 60e de seconde, etc., pour la durée du mois lunaire. C'est quelque chose de difficile à l'époque. Ces calculs sont refaits, et donc là, c'est tiré de Georges Saliba, il y a le texte grec de l'Almageste et le texte de la traduction arabe, donc on est là au début du 9e siècle, et la durée qui est énoncée, donc ça se lit de droite à gauche,
en arabe, avec des degrés, des minutes, des secondes, des soixantièmes de secondes, des soixantièmes de soixantièmes, et ainsi de suite, c'est la durée exacte. Donc il y a un perfectionnement qui est fait. À cette époque aussi, apparaît pour la première fois une langue internationale de la science. Jusqu'à présent, la science était quelque chose de provincial qui était réservé aux seuls Grecs. Les chrétiens de langue grecque ne s'intéressaient pas à la science. Vous savez même que l'école d'Athènes a été fermée par les empereurs byzantins. Et là, brusquement, des gens de tous horizons, parlant une langue scientifique commune, l'arabe, vont commencer à s'intéresser à des questions scientifiques. Donc, non seulement des musulmans d'origine arabe, perse ou autre, mais aussi des juifs et des chrétiens de langue arabe vont avoir à leur disposition une langue qui va être la langue commune pour parler de questions scientifiques. Et cette langue va devoir faire l'acquisition d'un certain nombre de termes techniques pour traduire d'abord les termes grecs et ensuite pour traduire des termes dont l'usage apparaît avec le développement des sciences. Donc on voit déjà se mettre en place un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver dans la science dite moderne, une langue internationale, une terminologie technique, il va y avoir aussi la constitution de centres qui vont permettre à ces savants d'échanger. L'autre point important dont j'ai déjà parlé, c'est l'importance de l'observation. Dans la mesure où on ne peut pas déduire rationnellement le tout du réel à partir d'un certain nombre de principes premiers, parce qu'on doute de la causalité, dans la mesure où Dieu intervient directement dans la nature à travers le renouvellement de la création, eh bien, il faut aller observer la coutume ou l'habitude de Dieu dans le monde. Donc, aller observer. D'où l'importance des développements instrumentaux, le perfectionnement de l'astrolabe qui devait exister avant, donc vous voyez l'Al-Fazari, mort en 806, les observations astronomiques, le fait que chaque étoile devient un phénomène en soi, un signe qu'il va falloir identifier, repérer dans le ciel, et à qui on va donner un nom. Donc vous savez que la plupart des noms des étoiles proviennent de l'astronomie arabe. Amélioration des données astronomiques, à travers une série d'observations qui vont durer pendant des décennies et des décennies, et sur cette base, une réévaluation des paramètres du modèle de Ptolémée, qui ne sont pas simplement vérifiés à travers les traductions, mais qui sont améliorés, puisque les astronomes arabes bénéficiaient d'une base temporelle beaucoup plus longue que celle que Ptolémée avait utilisée pour pouvoir ajuster les paramètres libres de son modèle. Là, on est sur plusieurs centaines d'années en plus. Cette entreprise va durer à peu près une centaine d'années jusqu'à ce que arrive cette figure Ibn al-Haytham, qui est vraiment un tournant dans la pensée scientifique musulmane, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un des rares noms de savants musulmans qui se trouvent dans les manuels scolaires en Europe. Ibn al-Haytham va fonder l'optique moderne à travers la théorie de l'intromission. Parce que vous savez que Aristote, et donc tous ceux qui ont suivi, favorisaient ce qu'on appelle la théorie de l'émission pour la vision. Ils pensaient que l'œil possédait un rayon qui allait chercher les images et qui ramenait les images vers l'œil. Donc il y avait, regardez, c'est très fréquent dans la littérature de toutes ces époques-là, où on parle du regard qui revient en portant avec lui l'image de l'objet observé. Ibn al-Haytham va raisonner et dire que c'est, enfin, donner des arguments en disant que c'est pas possible, qu'on ferme les yeux, on ouvre les yeux, il y a les étoiles lointaines, comment le regard peut-il aller aussi loin, etc. Et il va favoriser l'idée que les objets émettent des rayons de lumière et que ces rayons de lumière rentrent dans l'œil où ils rejoignent donc la sensibilité de l'œil. Donc c'est la théorie de l'intromission qui s'oppose à la théorie de l'émission qui avait duré pendant 15 siècles auparavant. Il va développer sur cette base-là des expériences d'optique comme la caméra obscura, le fait que quand on est dans une chambre noire et qu'on perce un petit trou, on voit l'image apparaître parce que justement la lumière se propageant en ligne droite, il y a les rayons qui font l'image inversée sur le mur de la chambre noire. Il va aussi sur cette base jeter les bases de la compréhension du processus de formation de l'arc-en-ciel dans les gouttes d'eau à travers les réfractions et les réflexions à l'intérieur de la goutte d'eau, parce que, évidemment, avec l'idée que les rayons de lumière voyagent en ligne droite. Et il va écrire un texte qui est le texte fondateur, le tournant de la pensée musulmane scientifique, Les doutes sur Ptolémée, Shukuk ala Batlamius, qui résume les problèmes théoriques et les incohérences du modèle de Ptolémée. Parce qu'après 150 ans d'amélioration ou 200 ans d'amélioration des observations,
On s'est rendu compte à cette époque que le modèle de Ptolémée ne pouvait plus tenir et qu'il était de façon récurrente en désaccord avec les observations. Et ça, c'est la deuxième phase de l'astronomie musulmane, dans laquelle on ne va plus être dans une problématique d'amélioration du modèle de Ptolémée, mais dans la refonte complète du modèle et la création de nouveaux modèles avec à la fois un aspect théorique et un aspect observationnel. Alors l'autre grand nom qui apparaît, donc là on est déjà au XIIIe siècle, on n'est plus à Bagdad, on est déplacé vers l'Orient, c'est Nasir ad-Din at-Tusi, un grand mathématicien, qui va fonder les bases de la trigonométrie sphérique, mais surtout inventer un dispositif mathématique qu'on appelle le couple de Tusi, qui permet d'avoir un mouvement linéaire comme combinaison de deux mouvements circulaires. C'est très intéressant parce que les astronomes musulmans, comme les astronomes grecs, étaient persuadés que le ciel devait se déplacer de façon, enfin, selon des mouvements circulaires uniformes. C'était vraiment un fondement de la physique d'Aristote, pas de l'astronomie de Ptolémée. C'est un fondement de la physique d'Aristote. Et l'astronomie de Ptolémée, justement, à travers tout son système de rouages, d'épicycles, de déférents, violait cette idée des mouvements circulaires uniformes, en particulier avec l'écant. L'écant qui est un point de l'orbite, enfin un point des cercles des orbites des planètes autour duquel l'orbite a un mouvement circulaire uniforme et qui n'est pas le centre du cercle. Donc on se trouvait dans l'astronomie de Ptolémée avec des mouvements circulaires uniformes qui étaient uniformes par rapport à un point qui n'était pas le centre du cercle, ce qui est une aberration du point de vue de la physique d'Aristote. Donc, pour pouvoir restaurer cette physique des mouvements circulaires, eh bien, il fallait se débarrasser de l'écant, mais l'écant a été très utile du point de vue mathématique, comme artifice mathématique, et Tusi invente un autre artifice qui est beaucoup plus élégant du point de vue mathématique, puisqu'il permet d'avoir un mouvement rectiligne à partir d'une stricte combinaison de mouvements circulaires. Sur cette base, eh bien, il va y avoir Alaaddin ibn Shatir, donc là on est encore 100 ans après, on est au XIVe siècle, à Damas en Syrie. Ibn Shatir écrit la quête finale concernant la rectification des principes, sous-entendu de Ptolémée, et il va complètement simplifier, enfin il va reconstruire un modèle astronomique qui n'est plus le modèle de Ptolémée, où il n'y a plus d'écant, il n'y a plus d'excentrique, il n'y a plus tous les rouages que Ptolémée avait dû mettre en place, et il utilise le couple de Tusi, qui lui permet de se débarrasser de ses adjuvants. Et le modèle d'Ibn Shatir devient le premier modèle dont l'accord avec les observations était meilleur que celui de Ptolémée. Donc il y a un progrès qui s'est fait à ce moment-là du point de vue de scientifique, même si, comme vous savez, bien sûr, le modèle d'Ibn Shatir, qui est un modèle géocentrique, ne correspond absolument pas à la réalité. Mais la réflexion théorique et le progrès des observations ont amené à cette révolution scientifique d'un modèle dont les prédictions sont meilleures que celles de Ptolémée. Et d'ailleurs, ces artifices mathématiques ont été repris par Copernic, comme le montre Georges Saliba dans cet autre livre, Islamic Science and the Making of European Renaissance, hein, la science islamique et la fabrication de la Renaissance européenne. On pense, Copernic cite 5 astronomes arabes dans son De Revolutionibus, hein, le livre sur la révolution des orbes célestes, qui est le livre fondateur de l'héliocentrisme. Il utilise le couple de Tusi et il représente même des figures avec des notations de lettres en latine qui sont les équivalents latins, enfin, des lettres arabes. Donc on pense qu'il a vu les manuscrits arabes ou qu'il a vu des traductions des manuscrits arabes, et on s'interroge encore sur la façon dont ces manuscrits sont parvenus jusqu'à lui, parce qu'il y a des trous dans l'histoire de la pensée, et il y a de nombreux manuscrits qui attendent d'être lus, édités et travaillés dans les bibliothèques. Donc Copernic est influencé par le modèle d'Ibn Shatir qu'il cite, il le cite avec des erreurs, donc il y a eu une influence considérable, et bien évidemment il n'y a pas eu dans le monde musulman l'idée de l'héliocentrisme, mais il y a eu tout un appareillage mathématique qui va être utilisé par Copernic pour pouvoir reproduire les données, toujours avec des cercles, hein, parce que voilà, quand on a des cercles, on essaie de reproduire avec des cercles des mouvements qui sont en fait des ellipses, ben on a besoin d'un mouvement un petit peu rectiligne pour pouvoir compenser ça, et c'est justement le couple de Tusi qui va fournir cet adjuvant.
Je termine ce petit panorama avec un autre fait saillant, un autre point saillant de l'astronomie musulmane de l'époque, c'est la constitution d'observatoires, comme l'observatoire de Loubbeg, donc en Asie centrale, la constitution de catalogues, de catalogues d'étoiles, et l'amélioration avec des grandes séries d'observations. Donc il y avait déjà les OSU à l'époque, les fameux observatoires des sciences de l'univers dont on s'enorgueillit, qui sont capables de prendre des séries d'observations sur de très longues durées, donc meilleure détermination de l'année sidérale, meilleure détermination de l'inclination de la Terre, etc. Donc on a la chance d'avoir à droite, là, une miniature représentant l'un des grands astronomes de l'époque, Ali Khouji, 1474, on est encore 100 ans après Ibn al-Shatir, qui lui-même était 100 ans après At-Tusi, et Ali Khouji, lui, défend l'idée de l'indépendance de l'astronomie par rapport à la philosophie. L'astronomie, pour lui, doit se construire à partir de ses propres ressources, donc d'observation et de théorie, et du coup, il est libéré de la physique d'Aristote, et il peut argumenter à propos de la rotation de la Terre, en rejetant les arguments aristotéliciens traditionnels pour une Terre stationnaire. Vous savez, les fameux arguments selon lesquels, si la Terre était en mouvement, un oiseau qui s'envolerait de son nid ne serait plus capable de retrouver la branche parce que la Terre aurait voyagé pendant ce temps-là, pendant le temps de son vol. Donc il argumente en disant tout ça du point de vue des mouvements apparents ou des mouvements réels, que la Terre bouge ou que la Terre soit dans un ciel fixe ou que la Terre soit immobile et que le ciel bouge, c'est la même chose du point de vue astronomique, du point de vue de la description des phénomènes. Donc il rejette les arguments aristotéliciens traditionnels et ce rejet des arguments va se retrouver ensuite dans Copernic, c'est le même genre de rejet en disant que, voilà, du point de vue de la description, c'est la même chose. Donc il y a là, je vous donne des références, hein, Jamil Rajab qui est un historien des sciences ottomanes et il fait des travaux, c'est tout récent parce qu'on découvre ses manuscrits petit à petit. Alors là vous voyez Ali Khouji qui est en train de baiser la main du sultan qui probablement est en train de demander un peu d'argent pour ses recherches. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, hein. Alors la question qui se pose, alors, en 1474, 1543, la mort de Copernic, pourquoi n'y a-t-il pas eu un Copernic dans le monde musulman? Il y avait l'intérêt pour la science, il y avait les observatoires, il y avait la démarche théorique, il y avait le goût, l'accumulation des observations. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est la grande question. L'historien des sciences Joseph Needham, spécialiste de la Chine antique, appelait ça la grande question. Joseph Needham, dans son livre sur l'histoire des sciences en Chine, dit la chose suivante. Au moins deux fois dans l'histoire de l'humanité, une ère civilisationnelle est arrivée à un stade qu'on pourrait appeler pré-renaissance. Ça s'est passé il y a 2000 ans en Chine, et ça s'est passé il y a 600 ans ou 700 ans dans le monde musulman. Et le pas n'a pas été franchi. Pourquoi? Donc, il y a de nombreux livres qui ont été écrits sur le sujet. On ne va pas revenir là-dessus, c'est une question qui est très complexe. Et juste, je vous mentionne ce livre qui est paru récemment d'un physicien suisse qui s'appelle David Cosandet, hein, « Le secret de l'Occident vers une théorie générale du progrès scientifique », titre ambitieux. Et David Cosandet, dans ce livre, passe en revue l'ensemble des explications qui ont été proposées depuis des décennies pour expliquer la naissance de la science moderne pendant la Renaissance en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça, parmi ces explications, il y a des explications multiples de nature religieuse. Ah, oui, c'est le christianisme qui permet d'avoir, avec l'idée de l'incarnation, de penser que l'homme est capable de comprendre le monde. Ou alors c'est uniquement le protestantisme, pas le catholicisme. Ou c'est la langue, les langues indo-européennes qui sont capables de former des nouveaux concepts en agglomérant des anciens. Ou bien c'est le miracle grec. Si on dit le miracle grec, eh bien on ne donne pas d'explication. Parce que si c'est un miracle, par définition, il n'y a pas d'explication. Ce sont les explications de nature intrinsèque et des explications de nature extrinsèque sur l'accessibilité des ressources naturelles, etc. Cosandet propose à la fin de son livre son explication favorite et il dit ce qui a fait la naissance de la science en Europe, c'est la géographie de l'Europe, qui est une géographie tout à fait particulière en raison de ses mers, de ses golfes, de ses péninsules qui permettent la création d'États riche et stable, mais d'une multitude d'États.
qui sont donc dans un régime de compétition-collaboration, qui peuvent... Les empires en Europe n'ont jamais duré, que ce soit l'empire romain ou Napoléon premier, les empires ne durent pas, donc il y a plusieurs états qui peuvent échanger quand même, parce qu'il y a des mers, il y a des montagnes, donc on peut faire du commerce, on peut échanger des idées, mais on ne peut pas imposer l'uniformité, et ça c'est favorable au développement des sciences, et c'est ce qui s'est passé, c'est juste une affaire de géographie. Je vous propose ça comme une explication possible, mais bien sûr le dossier est loin d'être fermé. Alors, voilà donc le panorama de l'histoire des sciences, pour voir un peu comment ces principes théologiques incitant à la contemplation du monde ont amené des conséquences du point de vue du développement des sciences, avec cet intérêt pour l'observation astronomique, l'expérimentation dans d'autres domaines, et donc le développement d'une pensée originale qui a duré pendant des siècles et des siècles, au point qu'on est en train de réécrire maintenant l'histoire de la pensée musulmane, puisqu'il y a eu cette idée pendant, mettons, une centaine d'années, à la suite des orientalistes du XIXe siècle, que la période dorée de l'islam n'avait duré que 100 ans sous le calife Harun al-Rachid et les successeurs, hein, pendant 100 ans, entre 800 et 900, puis après l'orthodoxie religieuse aurait repris le dessus et aurait écrasé, tué dans l'œuf toute réflexion et toute pensée scientifique. Et maintenant, on voit que ce n'est pas le cas, que la pensée scientifique a duré pendant des siècles et des siècles. Elle s'est déplacée à l'intérieur du monde musulman, a changé d'endroit, mais il y a eu un effort continuel et à bien des égards, les prémices de la pensée scientifique moderne étaient déjà présents, même si ensuite, pour différentes raisons, le flambeau de la pensée scientifique est passé très largement en Occident. Alors, dans la dernière partie de cet exposé, je voudrais vous parler de quelques caractéristiques de la réflexion dans le monde musulman actuel qui, de mon point de vue, sont assez problématiques et qui montrent qu'il y a un effort à faire pour que le monde musulman puisse parfaitement s'ouvrir à la pensée scientifique et récupérer ce patrimoine qui est un patrimoine universel et auquel il a contribué pendant des siècles et des siècles. Alors, il y a un débat actuellement dans le monde musulman sur ce terme de science islamique. Qu'est-ce que pourrait vouloir dire le terme de science islamique? Alors déjà, évidemment, pour nous, en Occident, le mot science islamique sonne mal parce qu'on pense que la science est universelle. Et puis on a la mémoire d'idéologies au XXe siècle qui ont prétendu créer une science qui leur était propre, hein, la science nazie ou la science soviétique. Hein, Lysenko, Orbiger, enfin, des fous qui ont créé une science alternative. Mais bon, ne nous arrêtons pas là, qu'est-ce que pourrait être une science islamique? Alors il y a trois courants qui sont actuellement en train de s'affronter à l'intérieur du monde musulman, et c'est intéressant de savoir quels sont leurs arguments. Il y a le courant qu'on pourrait appeler moderniste, selon lequel la science islamique est en fin de compte seulement la science universelle qui est pratiquée par des scientifiques qui sont de confession musulmane. Quand on regarde l'histoire des sciences, c'est ce qu'on voit. On voit que les scientifiques musulmans d'il y a 1000 ans étaient en échange constant avec les scientifiques d'autres religions qui travaillaient toujours en arabe, hein, et qui vivaient à cette époque-là, et qui élaboraient un corpus commun. Et bon, ils étaient musulmans, donc ils avaient une vision du monde musulmane, une foi musulmane, ils croyaient en l'unité de la pensée humaine, c'est ce que j'ai dit, hein, ils croyaient en l'unicité de Dieu, ils pouvaient intégrer tout ça dans une vision religieuse, mais leur pratique était une pratique standard et neutre d'un certain point de vue. Il y a un autre courant qui existe dans le monde musulman et qui est aussi très puissant, qu'on pourrait appeler le courant reconstructionniste. Alors vous savez qu'au cours du XXe siècle, en Occident, la vision héroïque de la science, selon laquelle la démarche scientifique est capable d'atteindre la vérité absolue, qui était le credo des positivistes, des scientistes au XIXe siècle, cette démarche a été fortement critiquée par un certain nombre de philosophes en Occident ou d'historiens des sciences. Citons Karl Popper, par exemple, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Imre Lakatos et d'autres. Eh bien, les reconstructionnistes se sont alimentés à cette pensée philosophique occidentale
pour dire que la vision des modernistes sur la science était une vision bien trop naïve, que bien évidemment la science est imprégnée de valeurs, qu'elle naît dans un contexte particulier, qu'elle est influencée par les pouvoirs politiques, idéologiques, etc., religieux, et que la science telle qu'on la pratique actuellement est avant tout une science occidentale qui s'est créée en Occident avec les enjeux de l'Occident et les intérêts de l'Occident. Donc il s'agit de reconstruire la science en prenant les éléments de la science qui intéressent le monde musulman, mais en reconstruisant la science pour incorporer les valeurs épistémologiques et éthiques de l'islam et pour satisfaire les besoins actuels des sociétés musulmanes. Donc on est dans une vision postmoderne de la science, dans laquelle la science est avant tout une activité humaine, elle n'est pas une activité qui est neutre du point de vue des valeurs. Enfin, il y a un troisième courant qui est moins fort, mais que je mentionne pour être vraiment complet, qu'on appelle le courant pérennialiste, qui est très fort, surtout parmi les universitaires musulmans américains, selon lequel la science islamique, finalement, c'est la science que les musulmans devraient faire, parce que dans la science telle qu'on la pratique actuellement, eh bien, il n'y a pas grand-chose à récupérer. La science est trop intimement pénétrée par les valeurs ou les antivaleurs du matérialisme pour pouvoir être valablement importés dans le monde musulman. Donc les musulmans doivent abandonner la démarche scientifique et essayer de retrouver une perspective d'un savoir symbolique qui serait plus en rapport avec leur démarche spirituelle et l'harmonie de la nature. Donc là, on est plutôt dans une perspective qui a des résonances avec, mettons, une démarche anti-science ou critique vis-à-vis de la science propre, mettons, on pourrait dire au New Age d'un point de vue, d'un certain point de vue, ou bien à la pensée écologique ou anti-scientifique en tout cas. Voilà, donc ces trois courants s'affrontent. Je donne quelques visages ici. Voilà, là on est plutôt sur des modernistes. Abdus Salam et Ahmed Zawahiri sont les deux prix Nobel scientifiques musulmans. Il y a eu des prix Nobel en littérature, prix Nobel de la paix, etc. Mais il y a deux prix Nobel scientifiques seulement. Ah, Abdus Salam, prix Nobel de physique. Et Ahmed Zawahiri, prix Nobel de chimie. Abdus Salam est décédé il y a quelques années. Ahmed Zawahiri est toujours vivant. Donc, eux défendent cette idée que la science est un patrimoine universel et qu'il faut la science islamique, finalement, c'est juste la science pratiquée par des savants musulmans. À gauche, on a un universitaire turc qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Taner Edis, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Science et religion en islam, une illusion d'harmonie ». Lui est très critique vis-à-vis d'une possible paix entre science et religion en islam. Il pense, comme d'ailleurs les orientalistes du siècle dernier ou du siècle d'avant, que l'islam est fondamentalement opposé à la démarche scientifique et que l'harmonie ne peut être que transitoire ou illusoire. Donc là, on est dans une position d'un fort modernisme anti-religieux. De l'autre côté, il y a Nidal Gesum, qui est astrophysicien et un professeur à l'université américaine de Sharjah, qui lui veut restaurer l'esprit d'Averroès. C'est le sens de son livre qui est paru récemment en français et en anglais, justement en réhabilitant ce principe qui lui paraît de bon sens, de le principe d'Averroès, selon lequel, une fois que la science a parlé, c'est à la philosophie, à la religion, de réinterpréter les textes fondateurs des religions pour qu'ils soient compatible avec les données scientifiques. D'autres figures, ici, on est plus dans les reconstructionnistes ou les pérennialistes, Ziauddin Sardar, pakistanais qui travaille à Londres, qui a écrit de très nombreux livres, justement pour, dans le cadre d'un courant qui s'appelle le courant Ijmali, il a eu de nombreux disciples, faire rentrer dans l'islam un petit peu de la pensée postmoderne et s'imprégner donc de la pensée de Popper, de Thomas Kuhn, de Feyerabend et d'autres, et montrer que l'agenda qui est sur la table de la science islamique n'est pas celui qui est sur la table de la science occidentale. Il y a un autre agenda, il y a d'autres besoins, d'autres valeurs qui doivent être satisfaites par la science. Mehdi Golshani, lui, est un physicien qui travaille à Téhéran, et qui essaie de faire une synthèse théologique. Il faut voir que les chiites, qui sont évidemment en Iran, ont une tradition de synthèse théologique bien plus grande que celle qui règne dans le monde sunnite,
Hein, donc l'autre grande tendance de l'islam, la tendance majoritaire de l'islam, les chiites sont minoritaires, mais lui, il essaie de renouveler cette pensée théologique pour montrer que la pensée scientifique contemporaine peut être complètement intégrée dans une vision théologique musulmane. Et à droite, on a deux pérennialistes, hein, Sayyid Hossein Nasr, que vous connaissez peut-être, c'est probablement le plus grand intellectuel musulman contemporain. Il est très opposé à la pensée scientifique qu'il voit comme responsable de la destruction du monde et de l'homme. Hein. Et donc, il a écrit de nombreux livres pour critiquer la pensée scientifique. Muzaffar Iqbal est un de ses lointains disciples, un Pakistanais qui est aussi très critique. Donc là, on est dans une position de principe, évidemment, qui n'a rien à voir avec la façon dont la science se pratique dans les laboratoires. Alors voilà, donc un premier débat. Il y a un deuxième débat qui règne actuellement dans le monde musulman, c'est celui du commentaire scientifique du Coran, hein, qu'on appelle en arabe tafsir ilmi, et du concordisme. Le concordisme, c'est l'affirmation selon laquelle les textes sacrés et les énoncés scientifiques parlent au fond de la même chose. Donc ils peuvent être soit en accord, soit en désaccord, puisqu'ils parlent de la même chose. Hein. Donc, s'ils parlaient de choses différentes, il ne pourrait jamais y avoir ni accord ni désaccord. Là, il y a un désaccord ou un accord potentiel, dans la mesure où ils sont sur le même terrain. Étant donné le grand nombre de versets dans le Coran qui se rapportent à la contemplation de la nature, les auteurs musulmans ont toujours été tentés, depuis le début, de développer des commentaires basés non pas simplement sur la contemplation de la nature, mais sur les découvertes scientifiques de leur époque. Par exemple, pendant la période classique, il y a un verset, « Ne considérez-vous pas comment Dieu a créé sept cieux en couches ?» Hein ? Eh bien, ce verset était interprété comme faisant allusion aux sept sphères planétaires du cosmos aristotélicien et de l'astronomie ptolémaïque. Pour un lecteur du Moyen-Âge, c'est évident. Ne considérez-vous pas comment Dieu a créé sept cieux en couches, puisqu'il y avait sept sphères planétaires. Bien évidemment, nous savons qu'il n'y a pas sept sphères planétaires, donc cette interprétation était une interprétation erronée. Maintenant, il y a d'autres exemples. Le verset « Et nous avons construit le ciel avec force et nous l'agrandissons » est interprété par certains commentateurs comme faisant allusion à l'expansion de l'univers. Donc là, on est dans un type de commentaire concordiste. Et ça va même plus loin, puisqu'il y a ce qu'on appelle la doctrine de l'insupérabilité scientifique du Coran, al-jaz al-mi. Alors, je vous rappelle que le Coran est considéré comme un livre miraculeux par les musulmans en raison de sa beauté. Ce qui prouve le miracle de l'incarnation pour les chrétiens, ce sont les miracles du Christ et c'est sa résurrection. Ce qui prouve le miracle du Coran pour les musulmans, c'est la beauté de sa langue. Point final. La beauté de sa langue. Là, on est dans une évolution. Maurice Bucaille, donc chirurgien français, écrit en 1976 un livre qui a eu un succès mondial qui s'appelle « La Bible, le Coran et la science », traduit dans pratiquement toutes les langues du monde musulman. Donc ce livre-là est un livre qui étudie les énoncés sur la nature qui se trouvent dans la Bible et dans le Coran. Hein, sur les nuages, la météo, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Et selon Bucaille, il y a des erreurs dans la description des phénomènes naturels, dans le texte de la Bible, mais pas dans le Coran. Voilà. Alors, le Coran est arrivé quand même 1000 ans après la rédaction de l'Ancien Testament, hein, de la Torah. Hein. Il est arrivé 1000 ans, hein, puisque la rédaction de la Torah, c'est probablement 500 avant Jésus-Christ, plus ou moins. Là, on est 600 après Jésus-Christ, donc on est 1000 ans après. Bon, donc Bucaille conclut son livre en remarquant que ce fait est surprenant pour un texte du 7e siècle. Il y aura quand même pas d'erreur dans ce qu'on sait de la nature. On parle des nuages de façon correcte, on parle des montagnes de façon correcte, etc. Plus tard, il déclara que c'était la preuve de l'origine miraculeuse du Coran. Eh bien, ce livre écrit par un chirurgien qui faisait de la science en amateur ou de l'exégèse en amateur a eu un succès phénoménal au niveau mondial, au point qu'il devient maintenant un des arguments principaux de la théologie musulmane, et c'est quelque chose d'absolument catastrophique, parce que le dossier est d'une rare pauvreté, et il s'agit juste d'idéologie, avec l'incompréhension totale sur la nature des textes religieux, qui bien évidemment ne sont pas destinés à porter des énoncés scientifiques, mais à porter plutôt des mythes et des symboles. Hein, le langage du mutos, hein, ce qu'on appelle le mutos, hein, porte des significations qui ne peuvent être exprimées autrement, c'est-à-dire dans le langage du logos, celui de la démonstration claire et articulée. Donc on est dans des mythes, ce qui ne veut pas dire que ce sont des choses négligeables. C'est une autre façon de parler de l'expérience humaine, mais on n'est pas dans des énoncés logiques. Sinon le texte sacré ne sert à rien. Donc on est dans cette problématique-là. Est-ce que l'univers est venu à l'existence avec une immense explosion, hein, deuxième ligne. Donc pour ce gars-là, qui a écrit le site, pas de Big Bang. L'univers a été créé de fumée. Hein, donc pas de Big Bang.
En revanche, on regarde le deuxième site le plus cité, hein, donc sur Google, lui prétend qu'il y a le Big Bang. Hein, le Big Bang est prévu dans le Coran. Donc, vous voyez la confusion qui peut régner dans les esprits à ce niveau-là. Là, on a un troisième, qui est celui de Harun Yahya, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il a fait scandale il y a quelques années en envoyant un atlas de la création à toutes les écoles françaises. Harun Yahya est un créationniste dit de la vieille Terre, c'est-à-dire que pour lui, le Big Bang est OK, toute l'évolution cosmique et géologique, ça va bien, mais il n'y a pas d'évolution biologique. Voilà, donc la contradiction dans laquelle on est. Donc c'est un gros problème. On peut citer encore celui-là, Zahrloul Andangar, un géologue égyptien qui utilise des énoncés scientifiques pour faire de l'apologétique de bas niveau. Donc il y a un vrai problème et il y a une compréhension qui manque, la différence entre création, origine, créationnisme. Hein. Bon, la création, c'est une question théologique, c'est la relation du monde à Dieu. C'est un problème de théologie, la dépendance ontologique du monde vis-à-vis de Dieu. Ça peut être l'origination temporelle à partir du néant, donc le commencement absolu du monde, mais ça peut être aussi une relation de toute éternité. Donc la création, la doctrine de la création, ne nous dit rien sur l'éternité ou la durée du monde. Hein. Elle parle d'une dépendance ontologique. En revanche, les origines, c'est une question scientifique. C'est la relation de ce qui est à ce qui était. La question des origines traite des causes efficientes et de l'origination temporelle d'états nouveaux à partir d'états précédents. Donc il ne faut pas confondre la doctrine de la création et la question des origines. C'est pour ça que normalement il ne doit pas y avoir de problème et que la démarche scientifique peut se développer librement dans une vision du monde où il y a la doctrine de la création, où il n'y a pas la doctrine de la création, mais c'est quelque chose qui est d'une autre nature, comme d'ailleurs l'abbé Georges Lemaître l'avait compris. L'abbé Georges Lemaître, vous le savez, c'est un des fondateurs du modèle du Big Bang, et il avait un petit peu corrigé le pape de l'époque, Pie XII, qui avait tendance à clamer que la théorie du Big Bang prouvait la vérité des Écritures. Non, le récit des Écritures, c'est un récit théologique, c'est un récit métaphysique, symbolique, et ça n'a rien à voir avec la question de l'origination temporelle des choses. Quant au créationnisme, qui est donc la lecture littérale des textes sacrés hors contexte historique, linguistique, symbolique, c'est ni de la théologie ni de la science. C'est de la mauvaise théologie, c'est de la mauvaise science. C'est une approche concordiste qui consiste à placer textes sacrés et sciences sur le même plan, comme traitant des mêmes questions, en accord et en contradiction avec des démarches identiques. Donc là, il y a vraiment une confusion qui est tout à fait préjudiciable à la théologie comme à la science. Donc il faut essayer de comprendre cela, et ce n'est pas facile, parce que le mot créationnisme se traduit mal, par exemple, en arabe. Donc il faut arriver à expliquer la différence entre création et créationnisme. Je termine avec quelques conclusions. Voilà la situation. Donc il y a un immense effort à faire pour récupérer dans le monde musulman cet élan de la science qui a existé pendant des siècles et des siècles et qui n'était pas gêné par la vision du monde religieux, même s'il y a eu des points de tension. Cet élan, il a été au contraire, me semble-t-il, alimenté par l'intérêt que la pensée musulmane a vis-à-vis de la contemplation du monde qui est la création de Dieu. Bien évidemment, la science universelle, c'est un patrimoine de toute l'humanité et elle doit se développer librement, sans interférence religieuse, idéologique ni politique, même si cette question est plus délicate qu'il n'y paraît, parce que les interférences existent toujours d'une façon ou d'une autre, hein. Ne serait-ce que quand on nous dit que certains programmes de recherche vont être financés au détriment d'autres. Ça veut dire qu'il y a quand même une interférence politique, ce qu'on appelle ça les attentes de la société maintenant en Europe. Hein. Les attentes de la société attend des scientifiques qu'ils fassent des recherches dans certains domaines particuliers, là où il y a les besoins de la société. C'est une interférence d'une certaine manière. Donc la science doit se développer librement et il y a actuellement, malheureusement, dans le monde musulman, des interférences politiques et religieuses qui sont très fortes et qui empêchent le libre développement des sciences, même si, de façon individuelle, il y a beaucoup de musulmans qui travaillent dans les laboratoires, enfin de musulmans de culture, pas personne de culture musulmane, mettons, qui travaillent dans les laboratoires en Occident et en Europe, aux États-Unis. Donc il faut se libérer des méfaits du concordisme et du créationnisme qui touchent le monde musulman, mais pas uniquement, hein, parce que le créationnisme et le concordisme existent pas trop en France,
mais il ne faudrait peut-être pas trop creuser, mais surtout aux États-Unis, par exemple. Et d'ailleurs, le créationnisme dans le monde musulman est très largement un emprunt qui est fait aux arguments du créationnisme des évangéliques aux États-Unis. Et puis finalement, il me semble que quand la science se développe librement, eh bien, il reste possible pour les grandes religions, donc judaïsme, christianisme et islam dont on parle aujourd'hui, de construire une théologie de la nature à partir de la vision du monde donnée par la science contemporaine. Alors attention, théologie de la nature, pas théologie naturelle. La théologie naturelle est la démarche qui consiste à dire que nous pouvons arriver à la connaissance de Dieu à partir de la simple observation du monde. Ça, c'est la théologie naturelle. C'est une démarche qui a été entreprise il y a des siècles et des siècles. Il y a encore des gens qui pensent que cette démarche peut aboutir, c'est-à-dire qu'on peut prouver l'existence de Dieu à partir de l'observation du cosmos. Il y a des gens aussi qui prétendent le contraire, c'est-à-dire qui prétendent qu'on prouvera l'inexistence de Dieu à partir de la contemplation du cosmos. Donc l'un comme l'autre me semble une des démarches, l'une comme l'autre me semble des démarches sans issue. En revanche, il est possible de créer une théologie de la nature, c'est-à-dire de donner du sens à l'intérieur d'une vision du monde particulière, judaïsme, christianisme ou islam, de donner du sens au résultat de la science contemporaine. Alors par exemple, et là je termine avec ça, voilà quelques éléments qui doivent être intégrés dans une théologie de la nature. Le naturalisme, le fait que les phénomènes naturels ont des causes naturelles, c'est le mode de la création, c'est comme ça que Dieu crée. Dieu crée sans intervenir directement, de façon visible dans les phénomènes. Et loin d'être une diminution du point de vue théologique du pouvoir de Dieu, c'est au contraire, une insistance sur le mode particulier que Dieu a de créer en donnant l'être, mais sans intervenir directement dans les choses. Donc c'est un élément qui doit être intégré dans une vision théologique de la nature. Donc il faut que les différentes civilisations de l'humanité entrent en dialogue. La science est justement un de ces terrains de dialogue qui nous prépare à la prise de décision sur le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, la perte de la biodiversité, la gestion des catastrophes naturelles et technologiques, etc. Donc après cette phase de dialogue, Ian Barbour disait, est-ce qu'un jour il y aura une phase d'intégration? Alors quelle sera cette phase d'intégration? Ça, on ne sait pas. Je pense dans son esprit, on n'était pas du tout dans une phase de concordisme, que l'intégration, ce n'est pas le concordisme, ce n'est pas le mélange, ce n'est pas la confusion, mais c'est peut-être une façon de regarder la question du sens, justement, en laissant la science se développer librement et en posant cette question du sens qui reste quand même ouverte, qui fait partie de notre nature humaine. Alors voilà, avec ces éléments d'une théologie de la nature telle qu'elle est pensée dans le monde musulman, peut-être que c'est un petit élément dans ce sens d'une réflexion sur une vision du monde plus globale. Je vais m'arrêter ici. Je pense qu'on a un petit moment pour les questions.